Allez, viens, ma belle. Allez, mon Bilou, vas-y, tu cherches? Vas-y, mon chien. Vas-y, tu cherches? Vas-y, Bilou. C'est bien. Top, Bilou. C'est bien. Le chien va la chercher là où elle est. Et il gratte jusqu'à ce qu'il la voie. Après, ça dépend du chien et des chiens qui la sortent aussi. C'est un choix du dresseur. La chose, tout juste débusquée par la truffe du chasseur à quatre pattes, n'est autre qu'une truffe arrivée à maturité. À Boncourt-sur-Meuse, on a d'ailleurs planté une truffière expérimentale de 7 hectares pour étudier et définir les conditions optimales dans lesquelles la truffe peut être cultivée dans le Grand Est. Et depuis septembre 2010, s'est ouvert en dessous de la truffière le plus grand espace de l'Est de la France dédié à la truffe. Sur 450 mètres carrés, le visiteur découvre les différentes espèces de truffes sous toutes ses formes. Exposition, films, produits truffés, la maison vous accueille aussi pour son marché de la truffe, à l'issue duquel le champignon n'aura plus de secret pour vous. De l'œil, du nez, il en faut, et pour la consommer. À la ferme de Navy, située à Billet, Lydie et Marc Billon organisent durant la pleine saison de la truffe des ateliers culinaires. De quoi se familiariser davantage avec le produit. Ce qui est excessivement important quand on va aller sur un marché acheter des truffes, c'est déjà être capable de les identifier, savoir ce que l'on va en faire, de manière à acheter le produit de qualité que l'on va destiner à quelque chose que l'on a anticipé. Ne reste qu'à la cuisiner, c'est le chef Geoffrey Buquet du restaurant Épices et Tout à Verdun qui a cette fois concocté le menu. Aujourd'hui, on va préparer donc en mise en bouche une découpe de Saint-Jacques et topinambour émulsion à la truffe. En plat, vous aurez un filet de poulet à la truffe crémé au porto blanc, racines et branches de persil plat, spätzle maison. L'ingrédient vedette de tous les plats, même haché menu, continue de faire son effet. J'aime beaucoup cette saveur qui vient de la terre. Je trouve que c'est profondément ancré en nous quelque part. Ça vient de la terre, c'est naturel, c'est formidable. Et si l'art de bien manger se définit par une cuisine simple, naturelle et goûteuse, la truffe possède indéniablement sa place chez tous les gourmets.